Salut tout le monde et bienvenue pour la suite de Silent Hill 2. Allez, on continue la partie. Je vais juste aller ici, d'utiliser la petite pince. Voilà. Allez, c'est pas comme si on était pressé, qu'il y avait des monstres qui traînaient, mais bon, c'est pas grave. Bon. Wow. Ne fais pas attention à moi. Là, ça sert à pas rien. Ok. Continue ton chemin. Continue. C'est bien. Aïe, putain, c'est pas ce que je voulais. Laisse-moi accéder à les bordels de merde. Voilà, c'est bon. Là, je suppose que j'ai besoin de me soigner. Laisse-moi mettre de la lumière pour que je puisse voir mon état de santé. Ouais. J'aurais dû utiliser une trousse de soins. Pas très malin de ma part. Là, on est où? Probablement le bon endroit. À moins que non. Non. Shit! Il est passé où le monstre? Il a disparu. Et j'ai pas la carte de la zone. Ok, c'est très embarrassant tout ça. Ah, c'est bon. C'est parce que je l'avais pas exploré avec la lampe, c'est ça? Ah, là ça m'a l'air d'être la suite. Ouais, on va voir ça. Il y a une échelle. J'aimerais quand même inspecter l'autre côté. Non, on va quand même aller ici. Aïe, putain. Allez, grouille. On le massacre à mort. Putain. Crève. Merde, il y en a un, il y a son congénère. Hein. On va utiliser ça, tant pis. Crève. Reste dans l'eau, noie-toi. Jesus. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ouais. S'il n'y a rien d'autre. Non, ça tombe en boucle. Ok. Putain, mais c'est. Vrai labyrinthe ce truc. Peut-être recharger un peu. C'est bon. Jean-Michel n'est pas là. Ah. là-bas. J'aime pas gaspiller mes balles comme ça, mais... Ouais. J'ai ma technique. Aïe, mais putain! Et sois plus réactif, James! J'ai appuyé sur croix 1 million de fois. Et tu fais rien! Bordel de merde. Et tu me fais passer pour un mec stupide qui se laisse attaquer. Je devrais les esquiver, franchement. Parce que là, la plupart des couloirs, je n'y vais qu'une seule fois. Putain, mais... C'est quand tu veux que tu crées la carte, hein. Et là, je me suis fait avoir. Non. Ouais. On va éviter celui-là. Ouais, non, non. Non, merci. Non, merci, les gars. Aïe. Donc, c'était bien là. Chut. Là. Je suis sûr que je vais avoir la fin que je voulais pas. À force de me faire mal et tout. Ok. Ah putain. Allez! Voilà! Dead. Mes points de vie aussi, ils ont pris un coup cher. Bon. Bon. Passage suivant, il va être un peu tendax. Oh! Un point de sauvegarde, comme c'est gentil. Et il y a quoi de sinon ici? Quoi d'autre d'intéressant? Journal par terre. Ah, ok. Le corps d'un homme identifié comme étant Thomas Oro, bûcheron âgé, 39 ans, a été découvert au Breu, couché sur le dos, je suppose. Probablement succombé à plusieurs coups d'un objet tranchant porté au cou et sur le côté gauche du torse. Il a vraisemblablement été tué entre 23 h et minuit. Sans sur les signes de lutte relevés dans la pièce et l'absence de l'arme du crime, la police privilégie la thèse de l'homicide volontaire et décide d'ouvrir une enquête pour assassinat. Étant donné que l'argent trouvé dans la pièce n'a pas été touché, que monsieur Oro machin truc est connu pour son alcoolisme et sa violence, la police soupçonne que le motif n'était pas le vol, mais une sorte de crime passionnel. Ok. C'est encore le journal, c'est ça? On s'en doute de ça. La porte en face. C'est une vraie porte ou une fausse porte? Je pense que c'est une fausse porte. Donc, on va s'équiper un peu de ça, histoire de changer un peu. Alors, est-ce que c'est ici au moins qu'il y est? Parce qu'il y a encore notre cher ami Pyramid Head qui a pointé le bout de son nez. Ouais, il est là. C'est bien lui. Ok. On va se barrer ici. Oh, c'est gentil. Est-ce qu'on se remettrait pas la vie à fond? Non, ça va. Passer par là. Espérons que notre très cher ami Pyramid Head ne soit pas ici. What? Apparemment, on pouvait passer la porte. C'était en fait une vraie porte. Bon ben, je vais re-sauvegarder. Sauvegarder ici et passer la porte. Voilà. Bon. Oh. D'accord. Je vois où on en est. Bonjour. Ok. Nouveau boss. Aïe. Non, 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 non. Merde! Non, 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 non. Je suis comment? Je suis mal, là. Je suis très mal en santé. J'ai besoin de recharger l'arme. Ah non, tu ne m'auras pas. Voici. Ah, la salle est petite en plus. Ah, bordel. Pourquoi t'as besoin d'avancer, James, pour tirer? Comment on... Oula. Faut passer à celui-là. Angela, tu voudrais pas m'aider par hasard? Non? C'est bon, je me débrouille tout seul. C'est bon. Ok. Are you okay? Oh, la télé. Je crois qu'il est mort comme ça. Angela, relax. Don't order me around. I'm not trying to order you. So what do you want then? Oh, I see. You're trying to be nice to me, right? I know what you're up to. It's always the same. You're only after one thing. No, that's not true at all. You don't have to lie. Go ahead and say it. Or you could just force me. Beat me up like he always did. You only care about yourself anyway. You disgusting pig. Angela. Don't touch me! You make me sick. You said your wife Mary was dead, right? Mm-hmm. Yes. She was ill. Liar! I know about you. You didn't want her around anymore. You probably found someone else. D'où tu me connais? That's ridiculous. I never. Même Maria, j'en veux pas. Bon. Alors oui, on s'approche de la fin du jeu quand même. On est bientôt au dernier niveau. Alors là... Faire autre chose. Attends. Pardon. Excusez-moi. Alors... On en est où dans le labyrinthe quand même là? Bon, c'est bon... Ah non, quoique. Il y avait quelque chose là. J'ai une porte. Qu'est-ce que c'est que cette porte? Oh. Notice. Seul le pur peut vous aider. Tire par erreur sur la corde d'un assassin et ta récompense te sera... donné sous une forme plus qu'étrange. Ok. Juste 2 secondes, je prends mon appareil photo. C'est une énigme, c'est ça? Hein? C'est tout? Et la notice d'à côté? Ah! Je ne veux pas mourir, demain j'escaladerai les 13 marches. À l'aide, quelqu'un répondez-moi, pourquoi dois-je mourir le matin venu? Mon compagnon de cellule me croyait, lui. Parce qu'ils sont tous fous, voilà pourquoi, disait-il. Je sais bien que son opinion ne changera rien, maintenant tu comprends pourquoi je m'en suis pris à eux, amenait-il. Le condamné exécuté hier, celui qui se disait vendeur de rêves, se dit que ce n'était pas vrai. Ok. Mais celui qui sera exécuté après-demain pour avoir kidnappé des enfants a répondu que c'était la vérité. L'homme exécuté... L'homme exécuté aujourd'hui n'a pas répondu, ils vont me tuer de toute façon, disait-il. Il a été condamné pour avoir détourné les derniers de l'État. Il n'a aucune chance. L'homme au sourire paisible a dit « Je me réjouis à l'avance de la retrouver bientôt. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas rentrer, je ne veux que rentrer chez moi. Mais je sais que c'est impossible. Même si je n'ai rien fait, on m'a rendu coupable de cet acte. À l'aide, quelqu'un sauvez-moi. Ce n'est pas de ça la justice. Ils ont soif de sang et je ne suis que l'agneau de leur sacrifice. Donc, il y a des cordes. On peut pas les inspecter? Non. Je peux rien faire. Ok. Est-ce qu'il faut que je revienne plus tard en fait? Ah, peut-être que j'avance jusqu'à la porte au bout. Ok. Et maintenant? Copain au plafond, veux-tu tirer dessus? Non. Oh! Attendez. Il y avait une autre porte ici. Et normalement, dans cette porte, il y a les pendus. Ok. Alors. Perdu pour contrefaçon. Pendu pour contrefaçon. Merde. Pendu contrefaçon. Ici, c'est vengeance consommée. S'il te plaît. Pendu pour meurtre, justice et vengeance consommée. Ok. Pendu pour escroquerie, justice et vengeance consommée. Pendu pour kidnapping, justice et vengeance consommée. Ok, et le dernier, pendu pour coups et blessures, justice et vengeance consommée. J'ai compris. Donc, laissez-moi un petit instant, je vais juste faire un truc. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit récapitulatif des rôles. Donc on a contrefaçon, meurtre, escroquerie, kidnapping, détour de fonds et coups et blessures. Ok. Donc... Donc, c'est la personne qui parle. Alors, je peux mourir demain, j'escaladerai la 13e marche. À quelqu'un, répondez-moi, dois-je mourir le matin venu? Parce qu'ils sont fous, voilà pourquoi, disait-il, je ne sais pas. Je sais que, bien que mon opinion ne changera rien. Maintenant, tu comprends pourquoi je m'en suis pris à eux. Alors, il y a eu coups et blessures, meurtre. Donc du coup ce serait soit coups et blessures soit meurtre. Il s'en est pris à eux. Donc à mon avis c'est plutôt coups et blessures. Donc ce qui signifie que ce n'est pas le numéro 6, ok. Condamné exécuté hier, celui qui se disait vendeur de rêves a dit que ce n'était pas vrai. Vendeur de rêves. Détour de fonds, contrefaçon et escroquerie. Lequel fait plus vendeur de rêves? Celui qui sera exécuté après-demain pour avoir kidnappé les enfants a répondu que c'était la vérité. Donc, kidnapping, c'est pas lui. Celui-ci a répondu, ils vont me tuer de toute façon, disait-il. Il a condamné pour avoir détourné les deniers de l'État. Donc, détournement de fonds. Donc, 6, 5, 4. Donc, toute la colonne, cette colonne-là, on est bon. Donc, il reste contrefaçon, meurtre et escroquerie. Ok. L'homme au sourire paisible a dit « Je me réjouis à l'avance de le retrouver bientôt. » Je me réjouis à l'avance de la retrouver bientôt. Meurtre. Donc il reste contrefaçon et escroquerie. Le condamné exécuté hier, celui qui se disait vendeur de rêves, a dit que ce n'était pas vrai. Donc c'est soit contrefaçon, soit escroquerie. Les deux escroquerie. Alors, ce que je vais faire, parce que là je pense que si l'astuce, enfin si je me foire sur l'énigme, je risque de mourir, ça me paraît clair et net. Mais je vais tabler sur... Je dirais que la contrefaçon, c'est le vendeur de rêve, parce qu'il contrefait quelque chose, donc il vend de fausses choses, donc ça, de fausses choses qui peuvent faire plaisir à des gens. Et ça, c'est créer des rêves, en fait. Alors que l'escroquerie, c'est un peu autre chose, en fait. Juste pour revoir le pendu de l'escroquerie. Ouais, pour escroquerie. Ouais. Donc je vais dire que la corde à tirer, c'est escroquerie. Ok? Je vais vérifier la réponse pour voir si c'est juste. Alors, Silent Hill France. Ah, c'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse. Donc l'escroquerie c'est le vendeur de rêve et la contrefaçon ce serait notre gars. Ok. Bon je me suis planté. Bon j'étais pas loin, j'étais pas loin. J'hésitais vraiment entre les deux. Allez. On tire. Ouais. Et c'est tout. Si on retourne dans la première salle, là, que va-t-il se passer? Oh ouais. Ok. Bon ben, continuons. Juste pour voir... Je pense que je vais mettre à charger ma caméra parce qu'elle est bientôt à plat et j'ai envie de continuer un peu. La vidéo n'a pas été suffisamment longue et j'ai chaud. Hop. La vache. Nickel. Allez, mais descends. Voilà. Il y a des ennemis? Non? Verrouillé, ok. Qu'est-ce qu'il y a ici? Aïe! Cogné contre la porte. Pardon. Excusez-moi. Maria? Maria? Elle est morte, encore. Maria, non! What happened to you? Why? Why? Donnez-moi un instant, je vais charger mon... Voilà. Alors voilà. Putain, je crève de chaud. Ah, c'est déverrouillé. Ok. Ah, bon. Logiquement, on devrait avoir un autre boss. Dans pas longtemps. Vous allez voir. Il s'agit. De quoi il s'agit? Oh, c'est gentil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donnez-moi d'autres goodies. Qu'est-ce que je fais de chasse? C'est bien. Je sais qu'il y a autre chose, j'ai vu. Non. Non, j'hallucine. Ah, il y a un point de sauvegarde ici. Fusil de chasse. Non sur la pierre tombale. Non sur la pierre... Angela Orsco. Ok. Une ampoule, nickel. James Sunderland. Pourquoi? Pourquoi il y a nos noms? Eddie. Wait a minute. Walter Sullivan. Ça, on le connaît. Bon vieux Silent Hill 4. Jesus. Et dans notre cimetière. Mayam 4, traîtresse. Il y a un nom sur la pierre tombale. Sauvegarde, c'est marqué. Cartouche de fusil de chasse. On va prendre ça. Allez. Alors. Ouais, c'est bon. Censé faire quoi ici? Ouais. Ce criminel a bu une dernière bouteille de bière avant d'être exécuté et enterré ici même, à jamais. Ok. Dans lequel il faut sauter. C'est bien ce qui me semblait, le nôtre. Notre tombe. La mienne, dans pas longtemps, si je continue à tousser de cette façon. Ah, bon. Pourquoi il y avait toutes ces tombes avec le nom? Ça se trouve, c'est ça le twist final. On est tous morts. Je connais tout le jeu, mais... si vous ne le connaissez pas, vous devez vous poser forcément des questions. Ah. Deuxième boss pour cette vidéo. Oh tiens. Eddie, what are you doing? What does it look like? You always busted my balls. You fat, disgusting piece of shit. You make me sick. Fat ass, you're nothing but a waste of skin. You're so ugly, even your mama don't love you. Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty, it's all the same once you're dead! Mm-hmm. And the corpse can't laugh. Ouais. From now on, if anyone makes fun of me, I'll kill him! Just like that. Eddie, have you gone nuts? I knew it! You too! You're just like him, James! Hey, I didn't mean anything. Don't bother. I understand. You've been laughing at me all along, haven't you? Ever since we first met. I'll kill you, James! Okay. Aïe. Aïe, ça fait mal. Tu fais très très mal, mon gars. Aïe. Aïe, putain. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah là, barre-toi. Je comprends pas trop comment esquiver ces tirs, mais bon. Il n'y a pas d'autres cartouches. Si, il y en a ici. On va tout recharger. Ok. Bon. La suite du combat, ici. Là, on a de quoi se protéger normalement. Do you know what it does to you, James? When you're hated, picked on, spit on, just because of the way you look, after you've been laughed at your whole friggin' life. That's why I ran away after I killed the dog. Ran away like a scared little girl. Yeah, I killed that dog. It was fun. It tried to chew its own guts up. Finally died all curled up in a ball. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. Il est complètement barré, ce type. He's gonna have a hard time playing football on what's left of that knee. You think it's okay to kill people? You need help, Eddie. Don't get all holy on me, James. This town called you too. Mm-hmm. You and me are the same. We're not like other people. Don't you know that? Let's party! Aïe, putain. Aïe, putain. Aïe, putain. Merde. Chut. Putain, mais bordel! Mais bordel! Vise juste, James! Ah, mais putain! Oh, ce boss, je pense qu'il va me causer du tort. D'être réactif face à lui. Est-ce qu'avec le flingue ce serait pas plus efficace? Aïe, mais putain! Ça va être chaud. Ça va être super chaud. Bordel. Mais bordel! J'arrive pas à comprendre comment fonctionne ce boss. La vie doit être tout con. Et je dois mal m'y prendre. Ah là. Eddie? Eddie? I killed a human being. Ouais. Mais t'avais pas le choix là. A human being. Mmh. Mary. Did you really die 3 years ago? James, aurais-tu des petits problèmes de... Comment ça s'appelle? De souvenirs. De mémoire. Bon. Le combat s'est avéré plus laborieux que ce que je le pensais. Mais bon. On a perdu pas mal de soins quand même. Bon, pas grave. On va avancer, on va trouver un point de sauvegarde et puis on va arrêter. Ouh. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai chaud. Un truc de malade. Ok. Oh, point de sauvegarde, nickel. Là où il me fallait. Bon, je verrai au cas où s'il n'y a pas moyen que je fasse le boss Eddie plus facilement. J'ai du mal de me débrouiller. Bon. En tout cas, merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à, comme d'habitude, liker, partager, à commenter, pardon, à vous abonner pour ne pas manquer la suite et à vous abonner sur ma page Facebook pour éviter de manquer la moindre news. Bon. Ah, ce casque me rend chaud. Bon, merci d'avoir regardé et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!